Nous poursuivons notre couverture spéciale, très spéciale de Sharm el Sheikh à l'occasion donc du lancement de la COP 27. J'ai le plaisir d'avoir avec moi son excellence ambassadeur Jean-Pierre Elonga Mbassi, qui est secrétaire général de Cité et Gouvernement Locaux Unis d'Afrique, la CGLU Afrique. Bonjour. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, c'est un rendez-vous mondial très important. De plus est que nous représentons aujourd'hui en Égypte tout un continent qui est le continent africain. Et justement, qu'attendons de cet événement qui est la COP 27? Écoutez, la COP 27, nous en Afrique, d'abord on l'appelle la COP de l'Afrique. Et cette COP de l'Afrique met en avant l'urgence et la justice climatique. L'urgence parce que le GIEC vient de publier un rapport tout à fait alarmant, encore un, qui nous met face à nos responsabilités. Il faut absolument que le monde réalise à quel point il est nécessaire de changer de cap pour que l'humanité puisse continuer à vivre sur cette planète. Mais il s'agit aussi de justice, parce que l'Afrique est probablement une des régions du monde qui souffre le plus des effets du changement climatique sans l'avoir provoqué. Et donc le monde doit faire justice à l'Afrique d'être le continent qui souffre le plus alors qu'il n'a rien fait pour cela. Et nous avons eu des promesses depuis des COP, COP 17, réaffirmées à la COP 21, réitéré encore à la COP de Katowice et puis la COP 26 à Glasgow. Et je crois que le temps des promesses est terminé. Il faut que la COP 27 soit la COP de l'action pour crédibiliser la communauté internationale. C'est ça qu'on attend. Justement, le président de la COP 27, M. Samar Chokri, qui vient de justement prendre les rênes officiellement de cette édition, a tenu un discours très fort. Il a demandé à ne plus prendre pour prétexte ce qui se passe dans le monde, tel que la guerre en russo-ukrainienne ou encore coronavirus, qu'il fallait arrêter de prendre ce genre de situation comme prétexte et d'agir. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de promesses qui ont été faites, notamment avec les accords de Paris en 2015, durant la COP 21. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a vraiment des choses qui ont été faites depuis cette édition? D'abord, je ne jetterai pas le bébé avec l'eau du bain. Je pense que la conscience est plus aiguë. Et ceci grâce aux jeunes. Et il faut rendre grâce à l'action des jeunes, parce que les jeunes nous ont dit, écoutez, le monde que vous nous léguez doit être vivable. Vous partirez, vous laisserez un monde qui n'est pas vivable. Vous n'êtes peut-être pas conscient, mais il s'agit de notre vie à nous. Donc nous ne pouvons pas ne pas vous pousser à agir. Donc les jeunes nous ont forcés à regarder les choses de manière différente, parce que beaucoup disaient, écoutez, avec la technologie, on va résoudre tout ça. Et quand il y a eu les feux, et les incendies, et quand il y a eu les inondations en Allemagne, aux États-Unis, la déforestation, partout, la déforestation, enfin, quand on a la montée du niveau de la mer, la technologie n'aide pas beaucoup. Donc il faut, bien sûr, il faut compter sur la technologie, mais il ne faut pas défier la nature. Il ne faut jamais défier la nature parce qu'elle se venge toujours de manière très dangereuse pour les humains et pour les bêtes. Après, et pour les autres êtres dans la nature. Donc il faut absolument que la COP 27 fasse un pas important vers la bifurcation, vers une voie de développement plus durable. Et c'est à la portée de nous tous. C'est à la portée. Maintenant, il faut respecter les engagements faits.
Il faut rendre crédible la volonté. C'est vrai. Parce que quand il y a une volonté, il y a un chemin. C'est vrai que ce qui est frappant dans cette édition, c'est qu'il y a une forte présence de jeunes africains. Aujourd'hui, on a l'impression que vous parliez de nouvelles technologies. Les réseaux sociaux aujourd'hui ont fait qu'aujourd'hui tout le monde est au courant de tout rapidement. On n'a pas besoin d'ouvrir la télé pour être au courant de ce qui se passe dans le monde. Les photos circulent. On a vu le Bangladesh inondé. On a vu en Occident, en Europe, la déforestation. On a vu les vagues de chaleur qui sont énormes. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il est temps d'agir pour ces jeunes et peut-être que faire la différence, n'est-ce pas ? Mais vous savez, ce n'est pas étonnant que les jeunes Africains soient nombreux ici. Enfin, on est en Afrique. C'est ça. Déjà. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que un jeune de moins de 18 ans sur deux, sur cette planète, vit en Afrique. Oui. Ça veut dire que le futur du monde se joue sur ce continent. Et ce n'est pas pour rien que ces jeunes sont très sensibles aux questions climatiques, parce que c'est leur futur, c'est de leur futur qu'il s'agit. Et je suis très content qu'il y ait une journée consacrée aux jeunes, qui a d'ailleurs été préparée. Et je suis aussi content que les femmes aient également une journée. Et ça montre à quel point cette COP est pragmatique, cette COP est orientée vers l'action. Il ne faut pas que le monde nous déçoive en disant encore que, à cause de Covid, à cause de ceci, il n'y a pas l'argent nécessaire. Je ne veux pas faire de mauvaises images. Il y a tellement d'argent qui a coulé lorsqu'il y a eu Covid que les gens sont étonnés d'où il vient. Il y a tellement d'argent qui coule encore quand il y a des catastrophes à certains endroits. Et moi, je pense que la bonne volonté du monde pour sauver le monde est que les gens respectent leurs engagements. Le président égyptien, son Excellence Abdel Fattah el-Sissi, a rappelé à plusieurs fois l'urgence d'aider le continent africain. Il s'est montré à plusieurs reprises comme porte-parole de l'Afrique. On l'a vu lorsqu'il a pris les rênes de l'Union africaine pendant un an. On l'a vu durant les séances des assemblées des Nations unies parler au nom de l'Afrique. Il était important que cette édition se fasse en Égypte et que notre voix africaine se fasse entendre de là. Écoutez, vous savez, nous, en Afrique, on dit toujours que la matrice de notre continent, elle a une de ses sources ici, en Égypte. L'Égypte est quelque chose de très important dans l'histoire du monde. Et l'Égypte et sa responsabilité sur la narration de l'Afrique, c'est quelque chose de très important. Et j'espère que, comme le président Sissi, les Égyptiens se rendent bien compte du rôle qu'ils doivent jouer pour que cette narration change. Et la COP27 est justement un point sur lequel j'espère que la nouvelle narration de l'évolution du monde vers une voie plus durable va commencer, et la voie de l'Égypte est très importante dans ce cas. Monsieur l'ambassadeur, merci à vous de nous avoir accordé cette interview. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Voilà, c'est donc la fin de cette interview avec son Excellence l'ambassadeur Jean-Pierre Elon Mbassi, secrétaire général de Cité et Gouvernement Locaux Unis d'Afrique. Nous sommes donc toujours à Sharm el-Cheikh. C'était Nora Alep, on a été 20 internationales.